Je suis Issa Mardo Jabir. Je suis parlementaire depuis le 20 juin 2011. D'abord, en tant que député, je représente la nation tout entière. Et ma circonscription électorale, c'est Mangalmé. Mangalmé se situe dans la province du Guéra, qui est au centre du Tchad. Donc Mangalmé, c'est un département cosmopolite où on trouve tous les groupes ethniques, mais c'est aussi le centre où le chef-lieu de la contestation au Tchad. Donc c'est un département historique. Le département de Mangalmé a une population de 156 306 habitants pour une superficie de 11 550 km². En tant que cadre de mon pays, j'ai voulu simplement mettre mon expérience administrative, mon expérience politique, mon expérience technique, professionnelle, au service de mon pays et de mon peuple. C'est simplement ma motivation. Un parlementaire doit être à l'écoute des populations, doit être à l'écoute de la base. Un parlementaire doit être humble, simple. Il doit être proche des populations. Il doit être capable de relayer les préoccupations des populations au niveau du sommet. Aujourd'hui, je préside une commission qui est chargée de suivre la mise en œuvre des objectifs de développement durable au Tchad, qui est un engagement international. Et comme vous le savez, les objectifs de développement durable sont intersectoriels et qui prennent en compte tous les secteurs socio-économiques du pays. Et c'est un challenge assez important pour s'assurer que ces objectifs-là seront mis en œuvre avec la plus grande célérité, la plus grande efficacité. Tous les objectifs sont importants, mais on devrait se fixer des priorités. Et c'est pourquoi, au niveau de notre commission, nous avons pris en compte l'objectif 3 sur la santé, mais aussi l'objectif 6 sur l'eau, pour s'assurer qu'il y a des résultats probant sur le terrain pour permettre aux populations vraiment d'être en bonne santé, pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable.